Hey, hello tout le monde, c'est Falken et bienvenue sur votre 31ème épisode de notre Let's Play sur Kingdom Hearts 2. Les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci de votre fidélité sur cette magnifique saga que j'aime beaucoup, la saga Kingdom Hearts, et vous aussi, je le sais parce que vous êtes nombreux et nombreux à regarder la rediffusion des lives que je propose sur la web TV de Level Down, à qui je fais un gros coucou et merci à vous d'être présents. Les amis, lors du 30ème épisode, nous avions fait en intégralité le monde de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et nous allons revenir dans Azoenia, dans le monde du roi lion, pour savoir comment va Simba, Timon et Pumba depuis la défaite de Scar. Je vous propose que je remette les commentaires. Boum. Ouais, Ryoka, je n'oublie pas. Je le lis pas pour la rediff, mais non, je ne l'oublie pas. Rassurez-vous. I love you too. Merci Mika, cœur. Allez, let's go. Et n'oubliez pas de me dire qu'il faut que j'équipe la nouvelle Keyblade que nous avons eue dans le monde de l'étrange Noël de Mewtwo Jack. Tic tac, mais pour l'instant j'ai la chanson Toc 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 de Zarbi dans la tête. Oh mon dieu, Alpira. Atterrir sur la terre des lions. Go. Niveau 43 quand même, hein. Mine de rien, on n'a pas forcément un haut level. Hein. On est juste bien, je pense. Oh, c'est vous! Dommage, on aurait préféré du gibier. Salut! Tu peux te les garder, tes saluts! À cause de vous, les débiles, on est obligés de manger des restes pour survivre! Arrête de pleurnicher! On est des hyènes, il faut bien qu'on se réhabitue à vivre comme ça! Simba va bien? Rien que d'entendre son nom, on est écroulé de rire! Oh, vas-y, dis-le encore. Simba. Encore une fois. Simba. Simba. Oh, Simba. Ça suffit maintenant. Va donc voir par toi-même. Simba n'est qu'un gros dégonflé. Ouais, je parierais même que maintenant certaines de ces lionnes prétentieuses aimeraient bien se trouver un autre roi. Ça alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer? En avant, allons voir Simba. Waouh! Zarbi, je savais pas que ce Pokémon pouvait chanter. Ah non, c'est Zazie. Scar? On ferait bien d'avertir Simba. Il doit être là-haut. Bien. Alors, pour commencer, compétence, Sora. Frappe verticale, appuie sur carré pour bondir dans les airs à la fin d'un combo. Ouais. De toute façon, j'ai pas assez de PC. Donald, profusion, d'accord. On verra bien. Et Dingo, qu'est-ce que t'as de nouveau? Donc, attraction. Autorelais, remplace automatiquement un personnage KO. Ouais. En fait, tout ce qui est soin amical, auto-soin et tous les trucs comme ça, je suis pas forcément partisan, on va dire. Simba, ah! Oui, en effet. Alors, déjà, j'aurais une question. Est-ce qu'on aurait, premièrement, on n'a rien du tout attribué. Ça fait longtemps qu'on a eu des bonus attaque, défense ou PC. Sora, donc, on va mettre Citrouille de Noël. Oh oui, on gagne en attaque, c'est parfait. Je voulais voir avec vous... Ah oui, parce qu'on n'a pas les fusions. Donc, c'est bien dommage. Et bien, on verra pour la suite pour les Keyblades que l'on équipera pour les fusions. Alors, on va parler un petit peu au Lyon. Les choses vont mieux que quand Scar était là, certes, mais ce dont le royaume a besoin, c'est d'un vrai roi comme Mufasa. C'est pas gentil, ça. C'est pas gentil, je trouve. Allez. Pour aller au cimetière des éléphants ou dans la vallée, nous traverser la savane. J'espère qu'un jour, le paysage retrouvera sa splendeur. Ouais. Et donc, on aurait vu le fantôme de Scar. Tu ne sors pas beaucoup des combos avec Carré, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, je privilégie un peu le bourrin, en fait, en général, dans les ARPG.
Il est trop mignon, Sora Lionceau. Vous êtes venu voir Simba? On a vu le fantôme de Scar. Cette apparition ne peut que présager la fin du royaume. Et pourtant, le roi Simba ne réagit pas. Il a beau être le fils du grand Mufasa, il n'en a pas l'étoffe. Il est incapable de diriger le royaume. Mais si, il réfléchit sûrement à une solution. L'heure n'est plus à la réflexion, mais à l'action. Son père en aurait déjà terminé, c'est un roi fier et valeureux. Je m'en souviens comme si c'était hier. Le puissant Mufasa. Simba sera à la hauteur, vous verrez. J'en doute. C'est pas gentil, je trouve. Hein. Ne vous en faites pas, je vais lui parler. Bonsoir Aureline, bienvenue à toi sur le stream. Comment ça va? J'espère que tu passes un bon début de week-end. Tu privilégies toujours le bourrin. Oui, tout à fait, Mika. Exactement. Sans jeu de mots pourri. Je dois aller voir, avant qu'on quitte la zone, si on peut aller parler à Rafiki. Rafiki, es-tu là? Ah oui, puis j'ai pas checké avec vous. Carnet. Trésor. De Kellogg's, Terre des Lions. Donc il n'y en a pas de nouveau, c'est parfait. Au moins, on n'aura pas à se soucier de ça. Très bien. Boum. Alors, il est là, parfait. Avez-vous le fantôme? Simba est dans la tanière royale. Allez lui parler, votre visite le réconfortera peut-être. Ok, donc direction la tanière royale. En tout cas, c'est bien, je trouve, de... qu'il y ait plus ces petits ralentissements, je trouve. Ça fait plaisir. Allez, c'est vrai qu'on pouvait dasher comme ça. Waouh! Ah, le fail! Enfin, c'est pas possible. La victimisation totale de Simba. Oh, que oui. Oh, que oui. Vraiment. Attention, attention. Voilà, tanière du roi. Elle est tellement épique, je trouve, cette musique. Vous revoilà. Est-ce que ça va? T'as pas l'air en forme. Du nerf, Simba. On va t'aider à te débarrasser du fantôme de Scar. Tes sujets ont l'air très inquiets. C'est l'occasion de leur prouver ta vraie valeur. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Pardon. Pas grave. Je me demande ce qu'aurait fait mon père dans une telle situation. Il est plus là, Simba. Ça sert à rien de te poser la question. Ça veut dire que l'important, c'est ce que tu vas faire toi, en tant que roi, et pas ce que ton père aurait fait. C'est à moi de prendre la décision, alors. T'as tout compris. Exactement. Ton père était un grand roi, mais maintenant, c'est ton tour. Tu te souviens de ce qu'on t'a appris? Le passé, c'est le passé. Il est temps de te bouger et de montrer à ton peuple que tu es maître de la situation. Oui, tu peux le faire. Tu dois vivre dans le présent. Et trouver ta propre voie. Kuna Matata. Vivre dans le présent. Et trouver ma voie. Pas celle de mon père. C'est ça. Je suis contente de t'entendre dire ça, Simba. Tada! J'adore la voix. Promettez-moi d'aider Simba du mieux que vous le pourrez. Ok, tant que c'est Sora qui prend les risques. Je compte sur toi, Simba. Et notre bébé aussi. C'est génial! On va devoir jouer les babysitters. On devrait commencer par aller voir Rafiki. Il pourra certainement nous renseigner sur ce fantôme. Sora a pris la compétence Tacle. Qui est... Attends, on va regarder ça, on va regarder ensemble. Alors, compétence Lion, qu'on regarde. Permet de percuter un ennemi en attaquant à l'aide d'aiguillon. Ah, c'est bon ça, c'est bon ça. Oui, ça va très bien Auréline, je te remercie. Ça fait plaisir. Alors non, ils veulent se débarrasser du fantôme de Shua. Il est cool ce fantôme, il deal des pampas aux petits enfants. L'AGFD, Association pour Grands Félins Dépressifs. N'importe quoi. Simba. Simba, c'est toi le roi. Autocoop, c'est bon. Allez, parfait. Bien, bien, bien. Parlons un petit peu à nos personnages. Allô. Rafiki, c'est plein de choses, il a peut-être une suggestion. Si vous ne savez pas plus quoi faire, allez le voir. Nala. Donc on a appris que Simba
et Nala attendait un enfant. Il réfléchissait déjà beaucoup quand on vivait à l'Oasis. Il a bien grandi, mais au fond de lui, c'est encore un petit lionceau. Ça me rappelle des personnes, ça. Simba adorait son père et l'admirait plus que tout. Voilà pourquoi il perd son assurance lorsqu'il se compare à lui. Alors, juste avant, je voudrais aller voir au sommet de... Du tombeau. De la tanière royale. Oh ! Regardez. Oui, voilà, je m'en souvenais de tout ça. Ouais. C'est possible un petit... Regardez, on va pouvoir se faire d'XP. Et ça, je m'en souviens que c'était plutôt pas mal. Ça fait plaisir. On va se faire plein d'XP. C'est bon à prendre quand même. J'aime bien vous montrer quand même cette séquence. Et on gagne des... Eh, l'objet. Merci de venir à moi. Allez, boum. Vas-y, viens. Heureusement qu'on peut pas tomber. Hein. Coopération, c'est ici. Allez, 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 allez. Toujours aussi dynamique. Toujours. Ça fait plaisir. Romain, c'est un lionceau. Oui, exactement. Allez, on continue. Bien, parce que les souvenirs parlent. Je me souviens bien de ce monde. De toute façon, je le kiffe, première chose. Par contre, je vais pas tomber. S'il te plaît, merci. Ah, est-ce qu'ils viennent à l'infini ou comment ça se passe? En tout cas, on a fait max de dégâts. Même si on gagne pas beaucoup d'XP, comme on fait pas mal de victimes, ça peut être sympa, quoi. Allez, j'aimerais bien refaire une petite coop, c'est sympa. Encore une fois, je ne sais pas si ça arrive à l'infini. Hein. Je ne sais pas. Je pense pas, quand même. Par contre, faut vraiment, vraiment, vraiment qu'on enchaîne. Hein. Faut vraiment qu'on enchaîne. Ouais, on gagne pas mal d'XP, ça fait plaisir. Non mais tu sais, sinon au pire, mon petit, on va faire coopération, séisme. Voilà, et on enchaîne, voilà. C'est tellement beau, regardez comment c'est tellement beau, sans blaguette. Moi je kiffe vraiment, c'est super joli. Ok, j'ai l'impression qu'ils viennent en boucle en fait. Hein. Confirmez-moi s'il vous plaît, parce que ça se trouve là je fais peut-être n'importe quoi, donc... Bon, c'est pour faire un petit peu d'XP, hein. Surtout les objets qui m'intéressent. Et que la gondance, ça c'est bon. Je sais pas si on a des... Non, on n'a pas d'objets, on a rien, quoi. C'est pour popper, ouais. Ah ouais, non, on pourrait se les faire. Par contre, ce qui serait bien... Ce serait une bonne zone pour sagesse, mais il y a plein de fusions ici. Exactement. C'est dommage, ouais. Ce pour sagesse aurait été parfait. Allez, je vous montre une dernière fois la coop parce que je la trouve vraiment super stylée. Séisme! Go! Et je kiffe. Vraiment. Regardez tout ce qu'on fait comme dégâts. Allez, on monte à 122 de combo. Oh là là! Ah non, en fait, beaucoup plus quoi. Ouais, bon. C'est confirmé, ils viennent en boucle. Hein. Donc on va, hop là, sortir. Et aller voir notre ami Rafiki. Boum. Ben c'est bien. Ça, on a... Voilà. Ah, par contre, puisqu'on n'a pas les fusions, pourquoi nous laisser la jauge de fin? La jauge de flux, oui. Au final. Tout ça un peu space, non? Vous en pensez quoi? Alors du coup, on a parlé la tanière de Rafiki, par ici. Hop là. Coucou, c'est nous. Allez, prends. Voilà. Coucou. Hey. Oh oh oh. Le roi est-il prêt à assumer son rôle? Je crois bien. Que savez-vous sur le fantôme de Scar? Ah oui, le fantôme. Un esprit désincarné, né de la rencontre entre le cœur maléfique de Scar et celui hésitant de Simba. Hésitant? Oh, oserais-tu prétendre le contraire? Dis donc, ce fantôme n'a pas tout l'air d'être un sans-cœur. Tu crois? Personne ne le sait. Mais il est bien là, semant le trouble dans le cœur de tous les sujets du royaume. Sa vraie nature nous est inconnue, mais il est bien réel.
Le monde est fait de ce genre d'aléas. Et seul un roi peut les affronter. C'est l'épreuve que t'a réservé le destin, Simba. C'est tout. Allez, Rafiki, je suis sûr que tu en sais plus que ça. Moi, non. Les hyènes du cimetière des éléphants en savent peut-être davantage. Mais à quoi bon? Le roi Simba est trop faible. Hé, hey, ne dis pas ça. Il est prêt à agir. Dans sa tête, peut-être. Mais l'est-il dans son cœur? Très important. Laisse tomber, Sora. Allons au cimetière des éléphants. Très bien. Go. Je kiffe cette musique. Vraiment. Allez, la savane. Bonsoir Link, bienvenue à toi sur le stream, comment vas-tu? Ah bah justement. Oh là là, alors par contre, ouais. On va se les faire un petit peu. C'est dommage qu'on ait pas les fusions, ça aurait été tellement bon. Oh là là, regardez les dégâts, regardez. J'adore le bruit qu'on entend, on dirait... clac, 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 enfin c'est plutôt sympa quoi. On dirait vraiment les reines de Noël, vous savez le bruit. Enfin, je pense. Alors, je ne sais pas si c'est à gauche ou à droite, hein, on va voir. Allez, on les fait, on les fait, on les fait. Elle est trop bien cette Keyblade, elle est vraiment trop trop bien. Je kiffe, vraiment. Par contre, les dégâts avec le combo là. Oh là là, nickel. On peut peut-être augmenter le niveau. Un éclat glacial, j'en avais besoin. Ça tombe bien. Voilà, nickel, parfait. Alors ici nous avons... Cimetière des éléphants. Les hyènes ne sont pas par là. Très bien. Donc c'est de l'autre côté. Hop, 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 hop. Ça te donne pas envie de manger de la noix de coco hein? Non, pas spécialement. Pourquoi cette question? Alors c'est par là-bas. C'est par là-bas. Go, 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 go. Hop là. Moi je préfère le bruit que fait Stella. C'est très joli aussi. Je dois avouer. Je dois avouer. Je dois avouer. Sans cœur, j'aimerais bien augmenter le niveau, s'il vous plaît. Ah, moi j'aime bien quand même le bruit là, regardez. Oh là là. Parfait, PC, la force qui augmente, ça fait plaisir. Allez, maintenant on se concentre sur lui. Oh là là, mais les dégâts! C'est un viol, là. C'est un viol, mais. Monumental. Pourtant, on est quel niveau? On est que niveau 45, hein, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire qu'on a bien géré nos compétences, je pense. Wow. Ah, vous ! Quoi encore ? Vous pouvez pas nous laisser tranquille ? Est-ce que vous savez quelque chose sur le fantôme de Scar ? Ah, le fantôme de Scar ? Ça se pourrait. Avouez. Bien. Et cette séquence, je ne l'aime pas trop. Terrasse les trois hyènes, Shenzi, Benzai et Head. Coucou Ellie, bienvenue à toi sur le stream. Pourquoi je ne les aime pas? Parce qu'elles sont hyper rapides. Et que dès que j'en vois une, il faut... Voilà, voilà. Faut que j'enchaîne, faut que j'enchaîne, faut que j'enchaîne. Heureusement, on fait quand même max de dégâts. Mais elle s'échappe rapidement et c'est ça qui est chiant. J'adore les bruits par contre. Les bruits qui sont faits. La musique est toujours au top. Ah, on a failli l'avoir. Ah oui, je peux dasher. Quel con. J'avais oublié que je pouvais dasher. Quel DBL. On va essayer de les prendre à revers. Allez, on va essayer. Les hyènes, où êtes-vous? Viens là. Non. Ah. Là. Mais non, mais... Mince. J'ai oublié que c'est rond. Ah. J'aime pas cette séquence. Je... Il y a très peu de séquences que j'aime pas, mais... Voilà, maintenant que j'en tiens une... Faut avouer que Monsieur Simba nous aide bien. Ça va. Toi. Là. Allez, on peut la finir. On peut la finir. Non. Mais, please.
Heureusement qu'il n'y a pas de temps, hein. Heureusement qu'il n'y a pas de temps, croyez-moi. Allez, apprends à courir un peu. Attendez, c'est moi ou elle récupère de la vie? Comment ça se passe? Mais cours! Non, non, récupère pas de vie, ça va. Allez! Mais cours, petit lionceau! Cours, 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 cours! Mais what? Heureusement qu'il n'a pas besoin de se repérer dans cette zone. Eh oui, en effet. Allez! Non, mais je suis. Non, mais je me tape tellement la honte, please, quoi! Arrête de vouloir loquer, là, à chaque fois. Allez! Non mais... Oh, je comprends rien là. C'est moi ou est... il y a un système... Un peu... Elle se régénère les yens au niveau de la vie. Non, non, non. Oh ouais. Ah mais... Mais what the fuck? Elle avait plus de vie. Mais non. Ça aurait devenu une savonnette. Oh que oui. Mais pitié, please quoi. Je savais bien que je l'aimais pas cette... C'est trop bien, sans jaille. Ah, puis en plus ça prend toujours... Mais putain. Ouh. Oh non mais j'en ai... Et là j'en ai ma claque. Hein. Ah bah quand même. Ok. 1 sur 3. Ensuite. Où êtes-vous? Non mais quand tu veux. Non mais please. Le nombre de coups qu'a séné, je ne l'ai pas mis KO, je rêve. Où est-ce qu'elle est? Oui, c'est les moi, vous avez raison. Là. Là, je vous donne entièrement raison. Ah, quand même. Deux. Ok, il en reste plus qu'une. En plus, elle a plein de vie. Mais non, mais c'est... C'est incontrôlable. Oh non mais le pire. Oh, alors toi. Oh non. Viens là. Ouh. Pauvre de nous. Dites-nous ce que vous savez. Désolé, on sait rien du tout. Oh, mais si, ça me revient. C'est pas ce spectre qui apparaît devant les poules mouillées, hein, Banzai? Ça suffit. Le voilà. Il doit y avoir un trouillard. Simba, fais quelque chose! Alors, ça te plaît d'être roi? Tu dois être un souverain respecté à présent. Après tout, tu es le fils du grand Mufasa. Où tu vas? Ce cher Simba, il prend la fuite comme toujours. Simba! Ça alors, Rafiki avait raison. Tu penses qu'il n'a pas l'étoffe d'un roi? À votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il ait confiance en lui?
On devrait commencer par aller lui parler. Retournons à la Terre des Lions. Comme ça ? D'accord. Ok. Ah d'accord. Oui, merci Mika, j'en ai fait ramasser la savonnette. Où est Simba ? Oh oh oh, il s'est enfui ! Je savais que ce serait dur pour lui. Il a besoin de s'isoler pour affronter ses peurs et élaborer un plan d'action, sans avoir à se soucier de l'opinion des autres. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt ? Mais où est-il allé ? Moi je sais, à l'Oasis, c'est notre coin préféré. Parfait, on y va. Je vous y emmène. Ça, pas question. Avec ton odeur, Simba te repérait aussitôt. Et tu peux être sûr qu'il déguerpirait Ilico. Ce serait quand même Pascar, mon meilleur ami depuis le CP. Quand tu dis ça, Raijin, Wazo et coucou à toi, bienvenue à toi sur le stream. Bon, d'accord. On va y aller tout seul. Ok, donc Simba est parti. Boum, on a eu quoi? Des compétences pour qui? Pour Dingo. Alors, voyons voir. Vaillance. Ouais, bon, ça aussi, il faudrait que je l'équipe. Mais quand on aura plus de PC, il faudrait que je l'équipe pour, bien sûr, Sora. On est plutôt bien, donc... Eh bien, j'ai envie de dire direction l'Oasis. Hein. Et on va parler au personnage. Simba possède quelque chose que Mufasa n'avait pas. À lui de découvrir quoi? Donc, c'est quelque chose qu'il n'avait pas. Voilà, c'est ça. Simba, je t'attendrai. Oh. Boum. J'ai dit. Si c'est Simba que vous cherchez, il a dû retourner à l'Oasis. C'est tranquille là-bas, idéal pour se plonger dans ses pensées. Tous mes anciens amis m'ont laissé tomber à cause de mon odeur. Mais j'ai rencontré Timon et notre devise c'est Hakuna Matata. Bah écoutez, hein, j'ai envie de vous dire go. Pas besoin d'aller parler à... Mister Rafiki. Ok, alors là, à noter, je crois que on affronte, si je me trompe pas, une sorte de bribe du fantôme de Scar. Mais en fait, ça va tellement rapidement que... Bah voilà. On n'a pas le temps de regarder. Et j'ai peur de dire une boulette. Hein. Alors, par contre, on enchaîne. On laisse pas le temps d'action. Non. Non mais ils vont même le battre sans moi, regardez. Voilà, nickel. Bon, c'est fait. Une coiffure fabuleuse. Concernant Mika. Bon, allez. Je sais pas du tout où ça va être. On verra bien. Allez, les coffres. Les monstres, les sans-cœurs, vous le savez. Oh, comment il enchaîne, Dingo. Allez, nous on enchaîne en l'air, on enchaîne. Boum. C'est cool. Voilà. Ensuite, maintenant, toi. T'as pas beaucoup de vie, on devrait se débarrasser de toi facilement, je trouve. Voilà, parfait. Maintenant, le méga sans cœur. Nickel. On est habitué à ce que tu dises des boulettes. Ah bon? Qu'est-ce que je viens de dire comme boulette? Donc faut passer par, voilà, par le cimetière des éléphants, c'est ça. Tiens, regardez. Si. Ah oui, pour les boulettes, pour le fantôme du roi Scar. Bah ouais, mais en fait, non, c'est bien ça. C'est bien ça, hein. Bon, allez, on avance, hein. Mine de rien, on avance. Quoique, voilà. Moi, j'aime bien. Allez, go. Voilà, parfait. Mufasa, il avait la coiffure fabuleuse de Simba. Ouais. Allez, on enchaîne. Eux, ils rapportent pas mal d'XP. On peut pas passer à côté. On se les fait. Oh oui, quand même. 600 d'XP. Hein. Je kiffe. Je kiffe vraiment. Alors, du coup. On a plusieurs à faire. Oh, c'est quoi cette rébellion? Qu'est-ce que c'est que cette rébellion? Oh là là. Le coup critique qu'on a placé. Le combo qu'on met.
Parfait. Non mais on est habitué à ce que tu en dises. Ouais ouais d'accord. Allez, eux, ils peuvent donner des objets intéressants pour les mogs. On sait jamais. Je crois que c'est des éclats noirs si je me trompe pas. Cristal Yalin. Cristal Yalin. Toujours bon à prendre. Alors je pense que c'est par ici. Combe. Donc c'est pas du tout par là. Super. Hé hé, on dirait que le royaume court à sa perte. Vous en faites pas si besoin et on se fera une joie de régner. Bah oui, bien sûr. Hé hé, il a l'air content. Ok. Vous devez vraiment vous ennuyer pour venir vous balader par ici. Au fait, le fantôme de Scar a disparu. Non, il est toujours là, mais on va s'en occuper, don't worry. Il faut juste qu'on ne se trompe pas de chemin et qu'on aille voir Simba. Regardez, il est juste là. Voilà. Allez, enfonce un petit peu quand même. Le but, c'est quand même qu'on avance un minimum. Voilà, donc je m'étais trompé de côté. Hein. Voilà, dégage, merci, et on enchaîne. On enchaîne. Je kiffe toujours comment Simba tient sa Keyblade, eh bien, entre ses dents. C'est plutôt bon à savoir. Valet des gnous. Encore là. C'est déjà réglé pour Scar. On y va, on y va, on y va. Oh, c'est quoi ça? C'est un magicien? Le règne des 3M. Bien. Allez, on continue. Oh la vache! Oh, j'adore. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, c'est cool. Oh, bâton de chaman. On l'avait ou pas celui-là? Voyons voir. Oh oui! Parfait! On va l'équiper, nickel. Faut que tu retournes chez Hakuna Matata, en effet. Terres arides. Bon, toi. Voilà, on a augmenté la magie pour Donald avec le bâton de chaman, ça fait plaisir. Allez, on continue, on continue, on continue, on continue, on continue. Je ne lâche pas, je ne lâche pas, jamais. Attention. Oh, oh, oh. Par contre, ouais. Ils font... Mais please. Ok, niveau 46, nickel. Parfait. Hakuna, à Matata. Allez. Simba n'est plus très loin, je crois. Des petits singes hurleurs. Des petits singes hurleurs qu'on va faire rapidement leur fête. Voilà. C'est déjà terminé. Gemme de force. Ok. Nickel. Allez, ça va très bien. Hop. On continue, on continue. Des petits singes encore. Parfait. Ce serait bien qu'on augmente peut-être de niveau. Avant de faire la fin de ce monde. Attends, t'inquiète pas. Il fait mal. Donald, quand tu veux pour me soigner, comment ça se passe? Ok, nickel. On continue. Hop, hop. Hop, hop, hop. Escalope. Direction. Oh non. Bon, dans un des combats, j'ai dit que les combats avec ce panneau, je les ferai. Hein. En fait, on a tellement plus besoin de la commande réaction qu'on les défonce, quoi, maintenant. On les défonce, mais complètement. Récupère les monies, on en a peut-être besoin. Voilà. Et direction la jungle. Père. N'oublie pas qui tu es. Eh bien, je dirais que même ton père t'a abandonné. Comme c'est triste. Fais un enchaînement carré, avec carré, sous forme de lion, c'est sympa à la fin des combos. On va essayer. On va essayer. Ah ouais? Ah ouais, d'accord, ça fait une sorte de petit rugissement. C'est sympa, j'aime bien. Ok, cristal Yalin. On continue. Ah!
Enfin, on se débarrasse tellement trop vite des ennemis. Pourtant, on n'est pas super level up, quoi, enfin. Je trouve. Pourtant, c'est des ennemis faibles. Bien, un gemme de force. Allez, allons voir Simba à l'Oasis. Simba! C'est inutile. Je ne serai jamais le roi que mon père était. Simba, arrête de te torturer avec ça. Tu ne peux pas être Mufasa. Sois toi-même. Tes sujets croient en tes talents de roi, mais ils veulent te voir agir. Si tout le monde dit que tu n'es pas à la hauteur de ton père, c'est simplement parce que tu n'as pas encore fait tes preuves. Je le sais bien. Alors arrête de te morfondre et passe à l'action. Je ne peux pas. Très bien. Oui. À quoi bon rester s'il ne veut même pas essayer? Tu viens, Dingo? Le roi en dessus finira par perdre tous ses amis. Il a peur d'un fantôme, de rien du tout. Oh, Simba, le roi bon à rien. Non! T'as réussi? Le fantôme est parti. On savait que tu pouvais le faire. Hourra pour Simba. En fait, c'est grâce à vous. J'ai beaucoup de chance d'avoir des amis fidèles qui m'aident à y voir clair. Mon père n'était pas si bien entouré. C'est reparti. Je veux dire, mon père était seul, tandis que vous êtes là pour me soutenir. Sora, Donald, Dingo, Pumbaa, Timon, Rafiki, Nala. Vous êtes toujours là pour m'épauler, alors que mon père, lui, devait compter avec les incessants complots de Scar pour le détrôner. Je dois tirer parti de cette chance pour remettre le royaume sur pied. J'espère que ce ne sont pas des paroles en l'air. Tu verras bien. Simba! Simba! Vite! Des milliers de fantômes de Scar ont envahi la terre des lions! Tout le monde s'est enfui sauf Nala! Et elle a besoin de ton aide! Quel drôle d'effet ça fait de voir son petit partir au combat aussi vaillamment. Ne restez pas là, accompagnez-moi. Bien. Alors, ça commence à prendre trop la confiance, là. Oui et non, on va dire, Zach. Parce que je trouve que voilà, on se débrouille quand même bien, même si on n'est pas trop haut level, donc ça peut être sympa. J'aime ce monde, mais entre le chien tortue Toupie, un oiseau avec un bâton dans le bec, et Sora le lionceau aussi agile qu'une antilope, je suis d'accord, Alfira, en effet. C'est un petit peu très what the fuck. Ok, le retour de Simba. On n'a rien eu d'autre comme objet. Hein. Alors, par contre, j'ai juste checké. Oh! On peut mettre quelque chose en plus. PC max de 2 points. Croix l'attaque augmente les PC max. Bah, mets ça. Mets ça, voilà. Parfait. Donc, du coup, on va pouvoir aller dans compétences. Sora. Ah oui, puis on a plein de points. Tout. Alors, le plus important, c'est mettre le sprint. Est-ce que je peux mettre autre chose avec 2 points? Booster feu, vaillance... Ouais. On va laisser comme ça tel quel, donc c'est plutôt bien. D'ailleurs, je n'ai pas checké pour le reste de notre protagoniste. Là, c'est bon. Et là, c'est bon. Très bien. Parfait. On est très bien au niveau équipement, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir qu'il nous TP directement. Nous voilà. Où est Simba? Nala, je suis de retour.
disparaît. Bien joué, Simba! Vous allez m'aider? Et comment, Votre Majesté? Waouh! Très bien! J'ai envie de vous dire la morale de l'histoire, toujours croire en soi et ne pas douter. Alors, qu'est-ce que vous nous racontez? On dirait que le monstre porte quelque chose sur son dos. C'est peut-être ça qui le contrôle, tu ne crois pas? Qu'est-ce qu'on va devenir si cette chose arrive jusqu'ici? Éliminez-le tant qu'il est dans la savane, sinon il va tout détruire! Ok, dans la savane. Tout le monde est en sécurité. Vous devez le battre pour Simba et pour notre enfant. Le souillage de Scar à son paroxysme. Oh oui, Mika. Go! Alors, Rafiki. Oh oh oh, voilà un adversaire digne d'un roi, n'est-ce pas? La savane sera votre arène. Appliquez-vous pour cette nouvelle épreuve. On va en profiter peut-être pour sauvegarder. Ça fait un petit moment que nous ne l'avons pas fait. Donc, boum, boum. On a gagné des niveaux, on va regarder. On était, ah oui, quand même, un petit niveau. C'est bon à prendre. Hein. Go. Et direction la savane. J'ai confiance, hein. Normalement, ça devrait bien se passer. Oh la vache. Ah d'accord, il n'y a que Sora et Simba. Ouais, en fait j'ai plus du tout la confiance, mais bon, on va tester. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc horrible? What the fuck? Ah mais non, 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 j'étais pas... Mais j'étais pas prêt! Appuie, appuie, appuie. Ok. Alors, où est le point? Là. Allez, go, 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 go. Tant qu'on peut faire. Je suis un petit peu deg d'avoir loupé les commandes réaction. Oh, on lui a fait mal quand même. Hein. Ok, il est où? Il est là. La tête et son point faible sautent sur son dos pour l'attaquer. Ouais, 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 ouais. Alors rapproche-toi de lui. Mais comment vous les... Alors appuie. Ok, donc c'est ça son point faible. Ouais, alors par contre, c'est clairement l'élément foudre. Hein. C'est clairement l'élément foudre, ça se sent. Alors, ça va, on lui fait assez mal. Par contre, lui aussi nous fait mal. Hein. Oh la vache. Non le... Ouais, ça je le sais bien que... Il faut marteler triangle quand c'est comme ça. Mais j'essaie de faire du beau jeu pour les commandes d'action. Ouais, attention. Y'a pas moyen que... Ah d'accord, non, c'est en deux parties, d'accord. Alors pour l'instant je gagne ma magie, je garde ma magie. Attention! Voilà, on a la technique, on a la technique. Par contre. Merci. Enfin merci pour le soin. Oh là là. Allez, je me concentre. What the fuck? La vache. Il est là-bas. Oh là, non. Ouf. Allez, je martèle. Tant pis, hein. Ça, vous voyez au moins une belle commande réaction. Ok, parfait. Nickel. Maintenant, on a ce truc. Hey! Allez, on devrait y arriver. Normalement, là, on tape assez fort.
attention. Allez, j'ai besoin de me concentrer quand même un petit peu. La tête est son point faible, soit sur son dos. Ok. Ouais. Hein ? Il est où ? Il est là. Là. Pourquoi ce truc bizarre ? Hey. Allez, c'est moi ou il est invisible ? Comment ça se passe ? Ah, ok. Tout simplement, d'accord. Je pensais que c'était deux éléments séparés, mais pas du tout. Le mec, il a trop suivi. Bon, bah écoutez, on a gagné Foudroïque, c'est parfait. Simba a l'air d'aller mieux. Le roi est de retour. La terre des lions n'oubliera jamais le courage du roi Simba. Ni le courage de ceux qui ont combattu à ses côtés. Crois-tu que votre quête prendra fin un jour? Je n'en sais rien. Mais tant que j'aurai la Keyblade, je pense que je devrais continuer à me battre. Ah, la lutte ne cesse jamais. C'est le grand cycle de la vie. Jamais, vraiment? La clé de la victoire réside dans un cœur fort. Allez-y, 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 encore! Allez-y, les amis, encore! Les enfants, allez poursuivre votre combat! À notre prochaine rencontre, Majesté. Qu'elle arrive bientôt. D'accord. Au revoir, les amis. Et nous avons donc fini Pride Land, la terre des lions. Ah, ça, c'est sympa. J'aime bien. La silhouette de Simba avec Sora, Donald et Dingo. C'est plutôt très cool. Hein. Vraiment. Un nouvel épisode a été ajouté. Et oui, je sais que vous dites des bêtises, j'essaie de suivre de loin, mais même si je n'ai pas tous les détails sur le chat, rassurez-vous, je vois que ça me troll. N'hésitez pas, ma revanche sera terrible prochainement, rassurez-vous. Ok les amis, donc, ce qui veut dire qu'on a fini, eh bien, ce 31e épisode au final. La prochaine fois, nous allons faire Atlantica pour la fin, et nous ferons la coupe optionnelle du Colisée de l'Olympe. Et je vous rappelle aussi que nous devons, eh bien, aller à la forteresse oubliée, mais aussi retourner à la cité du crépuscule. Bref, nous avons du taf, comme nous disons très simplement. En tout cas, j'espère à vous sur YouTube que ce 31e épisode vous aura plu. N'hésitez surtout pas, comme d'habitude, à partager, liker et commenter cette vidéo. On se retrouve très vite pour la suite de nos aventures sur KH2. Et je vous dis donc à très bientôt. Bye bye!